Ouais, qu'ils ont des caisses à outils. Du coup, comment est-ce qu'on fait? On laisse tout là, puis on va en interdire de fait. On va tout ramener déjà, non? Oro. Ouais, mais tu regardes avec la carrière, donc, Ah, mais c'est une sacrée bicyclette à moteur, ça. Ah, mais c'est la jolie madame de la coiffure, ça. Si. Oui, non, peut-être. Ça va bien? Ça va, il va. Très bien, très bien. C'est vous qui faites des sculptures avec les cheveux des gens? Attends, je vais regarder combien de kilomètres c'est. Et vous êtes ouvert en ce moment ou Non, c'est pas encore ouvert. On réouvre demain. Ok. Enfin, lundi, pardon. Ils ont dit comment parle la dame. Il raconte lui. Dites-vous, charrette électrique. Oui, c'est Zoli comment vous parlez. Ah, d'accord. Ouais, c'est la même. Putain, ça m'intéresse ces trucs-là. Ce serait bien pour la montagne, effectivement. La fumée, hein. Elle est cassée. Pour récupérer l'autre. Eh, c'est à vous ça? D'à quoi ça, nous ça? Bah, là, les pousse-pousse à moteur. Hein. Ouais, c'est moi. Est-ce que je peux l'essayer? Oui, tu vas essayer laquelle? Je sais pas, celui qui marche le mieux. T'as celui-là, mais je crois qu'il fume un peu là. Je regarde ça. Ce sont des charrettes électriques. Ouais, il est pas très très en bon oui. état. Je vais laisser le poids de là pour l'instant. Okay, donc là, excusez-moi. Oui. Quel est le carburant de ces véhicules? D'un quoi? Quel est le carburant qu'utilisent ces véhicules? Ophélia? Oui. On va faire l'intervention, on revient. Ouais, y'a pas de soucis, à tout de suite. C'est normal. C'est bizarre. Je sais pas trop. Teste celui-là et dis-moi ce que tu poses de celui-là parce que celui-là il est un petit peu dans un sale état là. Ok, ok. Tu testes celui-là, tu fais attention, pas te faire trop mal. Ok. Que celui-là il est un petit peu dans un sale état, j'ai pas envie que tu tombes en panne dans les montagnes. Ok, merci, ouais, t'inquiète pas. Est-ce que vous auriez des caisses à outils à troquer? Ça, c'est trop bien comme véhicule ça. J'avoue, vous n'avez rien vu, je ne suis pas en train de faire de l'off-road. C'est dommage que le casque soit obligatoire. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. T'as quoi? Des coupes-coupes, c'est ce que j'ai en main là. Ah oui, c'est la sacrée coupe-coupe ça. Ah oh purée, mais c'est vraiment génial comme véhicule et moi j'en veux un, c'est sûr j'en veux un. Et dis-toi, celui que tu viens de tester, c'est la première génération et celui-là c'est la quatrième. Donc ça veut dire que celui-là il marche encore mieux que l'autre. De toute façon, si on en prend, il nous faut des modèles pas trop récents et tout terrain si possible. Pas trop récent, donc ça c'est... Ah, j'en ai peut-être un autre modèle. Attends, parce que si c'est trop récent, c'est pas pratique à modifier. Oui, j'ai un vieux modèle, si ça vous intéresse. Je peux vous le montrer. Attends, je vais aller faire mon sous là. Je vais aller te montrer ça tout de suite. Ah ouais. Je vais demander au cousin de sortir un. Hein. Hé, Ginette, pourquoi tu parles pas comme la dame? Comment ça? Quand elle parle, ça fait le monter le dragon. Tu devrais parler comme ça aussi. Oh. Je crois que Shen est attiré par la dame. Ouais, je crois. C'est le dragon qui le dragon s'est réveillé. Il a le chêne qui pousse. Il y a un concombre qui pousse. Il a les glands.
Ah, y a de quoi faire rougir des tomates là. Oui, celui-là est parfait. Puis là, il est beau. Ah, il est beau, ouais. Il y a une petite case derrière en plus. Hein. Il est parfait. On peut mettre des tomates derrière, c'est bien. Oui, tu peux mettre des pas mal de choses derrière toi. Après, c'est vous qui voyez, hein. C'est que vous préférez. Un petit chien, ça rentre. Un chien? Et oui. Pourquoi tu veux mettre un chien sur le quad? Pour son 4 heures. Ah oui. Pourquoi? Bah c'est au cas où il a un petit creux. Où ça? Bah il est chinois, il mange des chiens. Ah oui. Bon. Ouais, non, je vais pas savoir ça. Revenons à notre conversation. Oui. Contre quoi seriez-vous prête à troquer cette charrette? Faut que je réfléchisse, c'est ça. Faut que je réfléchisse. Parce que c'est la première journée qu'on a ce type de Vaucool. Du coup, c'est vrai que je vais pas réfléchir si je vois jamais vous veniez faire des trocs. Je sais pas, y a pas un truc en ce moment. De quoi tu as besoin en ce moment? Une petite tisane pour vous détendre. Oui, c'est vrai, tenez, prenez une tisane. Pourquoi? Tu crois que je suis pas. Non, pour le soir après le travail, quand vous rentrez. Tenez. C'est gentil. Ah oui. Et la tisane, ça va, ça va pas me faire trop dormir? Non, ça ouvre l'esprit. Et ça nettoie les sinus. Ça nettoie les sinus. C'est bizarre, c'est quand tu dis la tisane, tu la bois par où? Par la bouche. Ah oui, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est fait à base de plantes, hein, des plantes qui dégagent leur... Je vais m'enlever le casque vite fait. Vous aurez une sensation d'ouverture. Il me semble que... Voilà. Ah bah non, ça me l'enlève pas. Peut-être si j'enlève ma toge. C'est bizarre. Le casque ne s'enlève pas. Ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, je vous avais fourni d'autres types de coupe-coupe. Il y a longtemps, oui. Oui, je me rappelle, ouais, on vous avait croisé un petit coup dans le coin. Oui, je suis toujours dans les nords. C'est vrai que c'est quand même mieux, hein, je trouve. Disons que par ici, y a peut-être un peu plus de béton que chez nous, mais y a déjà aussi beaucoup plus de verdure, quoi. Donc, je préfère être plus proche de la nature que de la ville. Ah bah ça, sur ce point-là, on vous comprend parfaitement, ouais. C'est bien ça. Il faut que j'y réfléchisse pour le truc, là. Très bien. Et nous, Ginette, on repassera, sinon. Donne ta technologie. Je vais vous donner mon numéro. Ça, vous pourrez nous contacter. D'accord. Ça change. Il n'y avait pas le numéro. Ouais, il n'y a que Ginette qui a ça. Ouais, il n'y a que moi, ouais. Ok. Je note. Alors, c'est le 555-298. D'accord. N'hésitez pas. Et son nom dit quoi? Mettez le village. Le dragon. Dragon. Le dragon. Et n'hésitez pas à faire un tour au village, hein, si jamais vous voulez un petit peu de fruits et légumes comme ça. Ah ouais. Ouais, le fruits et légumes, t'inquiète, je l'ai où déjà ton collègue m'a donné la dernière fois. D'ailleurs, ils sont très très délicieux. C'est vrai? Vous avez fait des bons petits plats avec? Si. On les cultive avec amour. Ouais, on leur fait des câlins, on les caresse et ils sont très bons. On leur dit bonjour tous les jours. Et même que Roby, il monte ses fesses. C'est pour faire rougir les tomates. Ouais, et après ils ont un très bon goût. Elles deviennent juteuses. Ah ouais. Enfin, on va éviter de parler de nos secrets de jardinage à tout le monde, hein, sinon ils vont faire pareil. Oui, c'est vrai. Très bien, on va y aller. Vous nous contacter quand vous avez décidé.
Ouais, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est super gentil de prendre le temps de réfléchir à notre, notre demande. C'est gentil. Mais il n'y a pas de problème. Vous savez très bien que j'ai déjà fait pas mal de trucs avec vous et que ce n'est pas, c'est pas fini des lettres. Ah. Que passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonne soirée à vous, merci. Pas d'impression à vous. Ouais, vous aussi, ouais. Merci. Ah, et merci pour le petit tour. Pas de problème. Ah, c'était bien cool ce petit tour de quad.